Eh bien, le bonsoir Twitch et bonsoir Mathieu au carré. Mathieu. Bonsoir. Exactement. Bon, alors, nous allons pouvoir commencer cette petite aventure préalable de vos deux personnages qui seront pour l'occasion, donc c'est marqué là-haut, Francis Gardner et Henri Moreau. Alors, petite particularité par rapport à cette aventure préalable, parce que justement, ils vont jouer deux personnages qui se connaissent déjà. C'est prévu dans le scénario de base et tout ça, et je trouvais intéressant de pouvoir avoir déjà deux personnages qui se connaissent. Ça peut rajouter des petites dingueries in-game par la suite. Et du coup, je vous laisse vite fait parler un petit peu de votre personnage, vraiment très succinct, quel genre d'habit il porte, physiquement à quoi il ressemble, en plus de votre de l'image, peut-être une carrure, peut-être une démarche, peut-être un bagout particulier, ce genre de choses. Je vous laisse décrire vite fait votre personnage, et puis on pourra enquiller directement sur la partie. Et du coup, on va commencer avec, par le haut, Francis Gardner. Qu'est-ce que tu incarnes exactement? Ok, alors moi, j'ai toujours été passionné par la mécanique, ce qui m'a amené à travailler dans les chemins de fer, enfin, locomotive, côté mécanique. J'ai 39 ans. Je suis plutôt réservé, très. Quand je suis dans un travail, je suis très concentré et très focus. Dans ta bulle, quoi, comme on dit. Exactement. Et ma passion, comment dire, côté hobby, Hobby, ouais. et le sport automobile, la voiture, la vitesse. Très bien. Et du coup, pour Henri Moreau, quel est le genre de personnage que tu vas incarner? Alors moi, Henri Moreau, je suis le directeur, donc du coup le directeur de Francis, pour le coup. Effectivement. Société donc, qui travaille dans la mécanique, hein, qui fait principalement des moteurs. Donc là, on est en train de travailler sur un moteur pour un train. Exactement. Alors pas tout à fait maintenant au moment où on parle, mais du coup ça va venir dans la partie. Vous allez vite, Voilà, c'est voilà, spoil. exactement. Ouais, C'est un sinon. type grand, il est assez sec, mais très musculeux. Il a fait la guerre. Ouais, il a fait la Il guerre. a fait la guerre, hein, ni plus ni moins. Bon, après, il était plutôt là, éclaireur, on va dire. Donc, c'était la personne qui venait en avant. C'est surtout un baratineur. Et bon, comme dit qui dit chef d'entreprise, dit aussi, il s'y connaît en droit, en Ouais. comptabilité, etc. Enfin, bref. La tête Mais. pensante de la société. C'est ça. Très très bien. Donc, comme je disais juste avant, hein, pour préciser, donc la société que tu possèdes s'appelle la compagnie Five Lille. Ça aura des répercussions un petit peu historiques par la suite qui pourront être marrantes s'il y a des gens qui veulent faire des petites recherches poussées. Il y a des petits easter eggs à trouver. Et du coup, nous sommes actuellement en 1900. 25. Nous sommes au printemps 1925 et vous êtes en France, hein, vous êtes tranquillement. Hop, je vais mettre la petite musique. Vous êtes tous les deux dans le bureau de ce cher Henri Moreau. Vous êtes en train de discuter de tout et de rien. Votre entente, elle est plutôt. Alors, Henri, tu es le patron, mais tu sais très bien que sans Francis, qui gère vraiment le côté technique, tu pourrais pas en être où t'en es actuellement. Donc, tu sais que toi, tu es le businessman de l'équipe, et Francis, c'est le côté mécanique, etc. L'un ne va pas sans l'autre. Clairement. Vous êtes en train de parler de tout et de rien, et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier. Parce qu'il y a une personne avec qui tu as rendez-vous. Cette personne, vous ne l'avez jamais vue, vous ne l'avez
jamais côtoyé. C'est une personne qui est en grande pompe, hein, attention. C'est une personne qui vient du ministère. Pas n'importe quel ministère, le ministère de l'industrie. Le secrétaire général des compagnies ferroviaires, un certain Albert Breton, avec qui vous avez rendez-vous. Vous ne savez pas ce qu'il vous veut. Toi qui as décroché le combiné, t'étais même assez choqué de cette annonce, et du coup, voilà, vous êtes potentiellement mis un petit peu sur votre 31, chacun de vos côtés, et vous savez qu'il va arriver peut-être dans une dizaine, quinzaine de minutes. Vous êtes dans ce petit bureau. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? La raison du rendez-vous, c'est... Vous savez pas vraiment. C'est lui qui nous a contactés? Ouais. Il vous a contacté et il vous a dit qu'il aimerait bien discuter avec vous. Il a été assez succinct, hein. Bah, vous savez que ça a un rapport avec les compagnies ferroviaires, voilà. Vous faites des moteurs de train, donc vous pouvez faire la liaison assez rapidement, mais exactement ce qu'il veut, vous n'avez pas la moindre idée. Tu m'as dit, il s'appelle comment exactement? Il s'appelle Albert Breton. Albert Breton. On est notre en même temps. Donc. Vas-y. Ok. Ouais, il est surpris. Hein. Ce qu'il nous veut exactement. J'espère que ça pourrait être quelque chose de juteux pour nous, ça pourrait être cool. En tout cas, tu sais une chose, c'est que si tu arrives à rentrer dans les bonnes faveurs du secrétaire général, potentiellement ta carrière pourra prendre un élan tout autre. C'est peut-être une question un peu compliquée, mais notre entreprise a la bonne réputation globalement. Allez, faites-moi tous les deux un petit jet de chance pour voir un petit peu si la chance a été entre faveur. Alors, encore une fois, je répète, si vous lancez votre jet, surtout le jet de chance, c'est moi qui détermine la valeur et je ne vous dirai jamais le dé de difficulté. C'est-à-dire que c'est moi qui évaluerai, il y a des moments où tu peux faire 80 et ne pas forcément réussir quand même, tu vois. Alors que tu peux faire 25 et échouer. C'est moi qui dicte les règles. Oui, allez-y. N'oubliez pas de mettre en tous, comme ça, voilà. Ok. Henri Moreau, alors, en ce moment, c'est la galère. Vraiment, en ce moment, c'est la galère, c'est des petits contrats. Et justement, pour le coup, c'est un peu une aubaine s'il vient vers vous. Et il y a même ton petit côté que ces derniers temps ça va pas, tu te dis ouais, tu dois faire partie du panel de gens qu'il est obligé de venir voir pour avoir un contrat. Tu le sens pas trop, tu sens que il y a peut-être, ça va peut-être couiller, ou voilà, t'es pas très confiant, t'es un petit peu stressé pour le coup, t'as ta jambe qui tremble, enfin tu sais t'as la jambe qui monte, qui descend comme ça, un petit peu l'air angoissé, énervé ou ce genre de choses. Mmh. Et est-ce que vous fumez? Ma part, oui. Ok. Non, et pas moi. Très bien. Du coup, tu vois ta boîte de cigares ou de cigarettes qui est posée sur ton bureau, et là, t'as qu'une envie, c'est de t'allumer une clope, mais malheureusement, au moment où tu potentiellement te lèves pour prendre le paquet de clopes, tu entends la porte qui toque. Et tu entends ce fameux toc-toc-toc bien significatif de quand on cogne une porte. Moi, j'étais assis et je me redresse d'un coup, sous le stress. Ok, très bien. Tu vois, d'ailleurs, tu sais que c'est une porte en bois avec une partie vitrée au centre, mais tu sais, un petit peu opaque. Donc tu vois juste une silhouette. Tu vois une silhouette d'un homme qui a l'air assez massif. Et il est seul. En tout cas, il a l'air seul. D'accord. Bon, du coup, hop. Je me relève de mon siège, je me déplace jusqu'à la porte. Mmh. J'ouvre la porte en grand. Très bien. Tu ouvres la porte en grand et tu vois un homme plutôt bien habillé, petite moustache. Et il vous regarde tous les deux, principalement toi, Henri, parce que tu es vraiment dans son angle. Et il fait Monsieur Moreau, je suppose. Monsieur Breton, j'imagine.
Effectivement, c'est bien moi. Et du coup, je suppose que c'est Monsieur Gardner, c'est bien ça ? Tout à fait. Bien, enchanté. Oui, je fais juste un mouvement de tête. Très bien. Vous savez que vous êtes chanceux aujourd'hui. Et du coup, il rentre dans ton bureau. Presque, il te passe devant, sans que t'aies même eu le temps de l'inviter ou quoi que ce soit. Il rentre, il fait « Avant de venir, j'ai visité un petit peu votre atelier. Impressionnant, sacrée machinerie. Oh, » Merci, merci. « Je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai une proposition à vous faire. J'ai fait mes petites recherches et vous pourriez, vous deux, être les hommes de la situation. » Je vous explique. Et vous voyez qu'il a un petit calepin à la main, un petit dossier, qui est pas très épais, mais il a un truc sous le bras. Et il s'approche de ton bureau, il pose ses affaires sur son bureau, il ouvre le dossier en question, et il vous montre ceci. Est-ce que vous connaissez la Mandchourie ? L'Indochine, la Corée, le Japon, la Chine, ça vous parle ? Oui, vaguement. De nom uniquement, mais... Vous avez forcément entendu parler de cette voie qui allait traverser complètement le monde, presque. Le Transsibérien. Eh bien... La France a été sélectionnée pour potentiellement créer la locomotive qui s'occupera de cette voie. Et j'ai eu des échos comme quoi, potentiellement, vous pourriez être l'homme de la, enfin, les hommes de la situation. Vous l'êtes ? Certainement. Moi, je dis rien, mais j'ai un gros sourire sur mon visage. Toi, il y a un truc tout de suite... Francis, toi, il y a un truc tout de suite qui te vient à l'esprit. C'est... pour toi, sur le coup, c'est pratiquement impossible. Pourquoi ? Parce que différence de climat, différence de rail, il va falloir créer une locomotive qui va sur tous les genres de climat, de rail, de machin. Ça va être un challenge. Ouais. Exactement. Et pour toi, c'est vraiment... C'est l'aubaine, quoi. C'est un défi technologique incroyable. Et toi, Henri, tu te dis que ton nom, si vous réussissez, ton nom va résonner dans tout le monde entier, en fait. Ça va traverser jusqu'en Corée, quoi. Par contre, j'ai un souci. Vous savez comment c'est, les ministères, etc. Il y a toujours des enjeux politiques à tout ça. Et ils veulent que nous fassions ça main dans la main avec des personnes... et puis il montre avec sa main le visage et il tire un petit peu ses doigts sur ses yeux en arrière pour faire des yeux bridés et il fait je pense que vous m'avez compris et mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait être qui pourrait faire l'affaire. Il travaille en ce moment à San Francisco dans le quartier de Chinatown, il a un atelier et on en a beaucoup parlé en bien, et en plus, grande chance, il connaît quelques mots de français. Par contre, il a été embauché par une société, donc il va falloir aller le débaucher. Je vous avoue que mon emploi du temps ne me permet pas de faire ce genre de choses. Du coup, il faudrait peut-être aller l'engager avant de commencer les travaux, histoire que, vous savez, la politique étrangère, tout ça, tout ça. Mmh. Oui, écoutez, si effectivement vous en avez besoin, aucun souci, on peut essayer de prévoir ça. Il vous le faut pour quand exactement ? Vous avez les informations concernant la société pour laquelle il travaille ? Alors, oui, je vous donnerai les informations, tout est dans ce dossier. Et il te pose le dossier, en fait, sur le bureau. Et il te dit,
question temps, disons que vu que les voies sont encore en train d'être agencées, nous avons quelques années devant nous. Après tout, nous parlons de construire une locomotive qui n'a jamais existé dans le milieu de dans le milieu ferroviaire. Je me doute que ça va pas se créer en une année. Je sais que le ministère est plutôt d'accord pour parler de 6 ans. Vous pensez que c'est faisable en 6 ans de construire ce genre de choses? Francis de connaître la réponse, mais... Oui, bah c'est faisable, mais ça, encore une fois, c'est un défi, quoi, donc... Toi, ça rajoute une couche au côté défi, quoi. Oui, donc le délai me paraît réaliste. Bien. Vous serez rémunéré, hein, forcément, vous aurez un contrat directement avec l'État français. Nous vous donnerons... voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je veux bien essayer de faire le nécessaire pour que vous l'ayez. Bien. Eh bien, je vous donne les contrats, et il vous tend deux contrats. Et du coup, ils font. Je vous laisse bien sûr réfléchir. Vous avez encore la semaine pour réfléchir. N'hésitez pas à revenir vers ma secrétaire si vous avez d'autres questions. Si je suis au bureau, je répondrai volontiers à vos questions complémentaires ou quoi que ce soit. Quant à cette personne, elle s'appelle Shang Xiu, quelque chose comme ça. La prononciation de ce genre de nom m'est assez peu familière. Et puis il vous montre en fait sur le dossier, il vous montre une photo de lui avec justement son nom. Donc son nom c'est bien Zhang, Z-H-A-N-G. Xiu, du coup, X-U-I, et du coup, il vous dit, voilà, j'ai eu des bons échos, il y a de grandes chances qu'il soit d'accord, il faut juste aller lui mettre un petit coup, voilà, histoire de qu'il voit qu'on se déplace pour lui, ils aiment bien qu'on les caresse dans le sens du poil, ces gens-là. Mm-hmm. Très bien, écoutez, ce sera fait, je ne manquerai pas de vous recontacter très prochainement. Bien, très bien. J'espère que vous n'avez pas peur de l'avion. Non, pas le moins du monde. Très bien, parce que du coup, pour aller jusqu'à San Francisco, vous aurez deux billets d'avion qui vous seront tout frais payés. Très bien, très bien. Bien. Eh bien, je pense que c'est une affaire rondement menée et plutôt bien conclue. Et il te tend la main, Francis, pour te serrer la main. J'ai pas précisé d'ailleurs, hein, mais ce cher Albert Breton, il doit avoir une cinquantaine d'années à peu près. Il est un peu... il aime bien s'entendre parler, quoi. C'est le genre qui... D'ailleurs, fais-moi un petit jet de psychologie, si tu veux, Henri. Jeu de psychologie. Ouais. Allez, soyons fous. Allez, avec moi. Ah, c'est surtout qu'en fait, tu vois le contrat et en fait, t'as vu le prix qu'il va te payer. T'as vu le prix et y a plus rien qui se passe autour de toi. Il y a peut-être 2-0 en plus que ce que tu imaginais en fait. Et du coup, toi, ça y est, c'est dans ta tête, c'est vous avez percé. Et tu regardes Francis qui a le sourire aux lèvres, qui est déjà dans. Tu le connais, hein, il est déjà en train de faire des plans dans sa tête, etc. Et voilà, tu sais qu'il y a des grandes chances que vous soyez riche dans quelques années, quoi. Oui, moi, ce qui me fait sourire, c'est pas le prix qu'on oh, bien sûr, payer, ouais, c'est... Le challenge. C'est ça. Mais en bon chef, en bon patron de société, Henri a vu les chiffres. Oui, on est obligé. Et du coup, Albert Breton vous salue, vous dit au revoir, et sort... ferme la porte, vous voyez son ombre, la silhouette par la fenêtre qui s'éloigne, et voilà. La semaine se passe, vous avez toujours ces fameux dossiers, est-ce que vous l'avez signé tout de suite et renvoyé? Est-ce que vous avez attendu un petit peu? Est-ce que toi t'as enquêté un petit peu de ton côté? Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine potentielle? Alors, on l'a pas rendu tout de suite. Ouais. Mais moi je penserais qu'on l'a signé tout de suite, mais qu'on a laissé un petit délai pour pas faire genre... Ouais, je vois le truc, ouais.
Moi, j'ai surtout décortiqué tout le truc parce que voilà, je fais toujours attention à tout ce qu'il y a de noté, histoire de vérifier qu'il n'y avait pas d'accro ou pas de truc qu'aurait pu. Tu peux me faire un petit jet de droit si tu veux. Ouais, droit, parce ouais. Que ouais. Ouais, moi, j'ai pas hésité parce que je vois vraiment que l'opportunité, vraiment, je n'aurais jamais une autre comme ça dans ma vie. Ah oui, là, c'est l'État français qui vous fait. Enfin, c'est un truc de fou, hein. La SNCF n'existe pas encore, hein, mais c'est potentiellement ce qui va l'advenir, donc c'est pour vous donner le truc, quoi. Et ouais, toi, t'as passé quelques temps à éplucher un petit peu le contrat, regarder un petit peu les textes et les machins, et vraiment, vous allez potentiellement avoir accès à des technologies que tu pourrais pas te payer autrement que par ce billet-là, en fait. C'est très clean, c'est même très bien payé pour le truc. Par contre, tu sais une chose, c'est que si vous vous cassez la gueule, c'est la France qui se casse la gueule. Donc t'as un petit coup de stress sur ce truc-là. Tu sais très bien que si par exemple dans 3 ans, vous n'avez toujours pas quelque chose de concret à proposer, d'ailleurs tu le vois ça dans le contrat, la France n'aura pas le temps de se retourner pour aller vers d'autres personnes pour recréer le truc. Ou alors vous devriez vendre les brevets, on pourrait vous forcer à réutiliser les brevets ou quoi que ce soit. Vous travaillez pour l'État français là à partir de maintenant, mais sous couvert de sociétés privées. Donc voilà, c'est une sous-traitance. Très bien. Du coup, vous renvoyez les papiers, etc., que vous avez signés, et quelques temps plus tard, vous savez qu'il va falloir partir du coup à San Francisco. Du coup, vous faites chacun vos valises. Et vous avez un billet aller et un billet retour, et vous avez potentiellement 4 jours sur place pour un petit peu le convaincre. Vous prenez vos billets, le trajet se passe très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez un petit peu repéré les lieux, c'est en plein cœur de Chinatown. Vous êtes dans des rues où... c'est assez compliqué, hein. Vous parlez pas la langue, tout est dans des dialectes complètement illisibles pour vous. Alors attendez, une seconde. Hop. On a quand même pensé à demander pour qui, à l'heure actuelle, pour qui bosser. Oui, vous avez toutes les infos, hein. Ouais, vous avez toutes les infos. Vous savez la rue, mais voilà, c'est assez difficile de se repérer. Vous êtes dans des petits... vous avez, même si vous aviez le plan en fait sur les rues, les noms des rues ont été un petit peu remaquillés pour redonner on appelle ça des kanji en Chine, je sais pas. Du mandarin, voilà, en mandarin. Et du coup, voilà, vous sortez du restaurant où vous avez discuté un petit peu de la marche à suivre pour justement parler à ce fameux Zhang Qiu. Et vous vous retrouvez le soir, vous sortez du restaurant, vous êtes dans ces fameuses rues, vous avez peut-être bu un petit coup, en tout cas pour ceux qui veulent boire, et vous vous retrouvez dans une rue où il n'y a absolument personne. Vous entendez un petit peu le bruit de la ville ambiante. Vous êtes dans une ruelle où il y a quelques néons qui clignotent, qui montrent des devantures avec des choses complètement exotiques que vous n'avez jamais vues à Paris ou à Lille ou n'importe où, ou en Angleterre, si t'as déjà été en Angleterre, mon cher Francis. Vous êtes dans cette rue et vous êtes un petit peu paumé. Faites-moi tous les deux un petit jet d'orientation, s'il vous plaît. Alors, retrouvons ça. Ici. Hop. Ouais. Ouais. Ah ouais.
Ouais, vous êtes un peu paumé. Hein. Vous êtes un peu paumé. Vous, ça fait deux fois que c'est vraiment Chinatown. C'est des petites ruelles. Vous allez passer dans des guesselles, dans des toutes petites trucs où vraiment vous allez marcher l'un devant l'autre. De temps en temps, vous allez croiser des gens qui vous regardent un peu bizarre. Qu'est-ce que vous faites là, des Européens ou des blancs dans le quartier le soir et tout. C'est y a des gens qui vous regardent un petit peu bizarre. Vous commencez un petit peu à pas forcément avoir peur, mais à être méfiant, en tout cas. Et au bout d'une ruelle, vous voyez un homme, un Asiatique, qui se tient les côtes, qui a du mal à avancer, il se tient à un petit muret. Qu'est-ce que vous faites ? Il avance vers nous ou il bouge pas? Mais en fait, vous êtes tous les deux dans la même rue. Il venait dans votre direction, mais il s'est arrêté un petit peu au coin à l'angle de la rue pour justement se poser contre le mur, se maintenir. Il se tient les côtes ou le ventre ou vous savez pas trop. Et du coup, il s'est arrêté. Pour le moment, il vous a pas forcément vu. Il vous a pas parlé ou il vous a même pas croisé le regard. Mais vous l'avez vu parce que vous marchez dans la direction là. Quand tu dis qu'il se tient les côtes, c'est-à-dire il a c'est pas l'air bien, ou... ouais, il a pas l'air bien. Ouais, tu peux potentiellement faire un petit jet alors, parce que moi ouais, avec entre donjons et dragons et machin, c'est faut que je m'y retrouve aussi. De perception. Non, d'intuition, d'intelligence. D'intelligence. Ouais. Directement, je clique sur. Ouais, tu cliques sur int et ça va lancer le dé. Ok. Ouais, il a pas l'air forcément bien, ouais. Ouais. Il faut être en dessous la stat, en fait. C'est ça. C'est l'inverse de Donjons et Dragons. C'est l'inverse. Ouais, il a pas l'air dans son assiette, cet homme. Moi, du coup, j'aurais eu tendance à continuer mon chemin, mais n'étant pas tout seul, mm-hmm. Je vais m'adapter à Henri. On va continuer à se déplacer, mais je le guette de l'œil, on sait jamais. Ok. On se rapproche de lui, puis j'essaie de discrètement, on va dire, de voir s'il a un problème, si ce serait pas un problème pour nous. Vous continuez d'avancer, la ruelle est encore une fois assez étroite. D'ailleurs, toi, quand tu... Enfin, tu pressens peut-être un danger ou quelque chose, vu ce que tu me dis, tu commences à regarder un petit peu autour de toi, tu vois qu'il y a quelques portes, mais elles sont probablement fermées, en tout cas c'est ce que tu peux imaginer. Tu regardes au-dessus de toi, tu vois qu'il y a des toits qui sont assez bas, peut-être deux étages, quelque chose comme ça. Et tu avances, tu continues d'avancer, et là tu vois sur ses vêtements, qui sont assez sombres d'ailleurs, tu vois une tache un petit peu humide au niveau du ventre et il reprend sa marche quelques pas après avoir que vous ayez marché. Il vous regarde, il croise votre regard, tu vois qu'il est extrêmement pâle, il se tient le ventre, tu vois qu'il y a, enfin vous voyez là pour le coup maintenant, il y a une coupure au niveau du ventre. Il s'approche de vous très difficilement en se tenant contre le mur. Et il tend une main vers toi, Francis. Tu vois une main complètement ensanglantée qui s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je recule. Tu recules et... Je vais faire un G, moi, de mon côté. Et moi, pour ma part, je vais... Enfin, moi, quand je vois qu'il est blessé, je vais essayer de le rattraper. Ok. Et mon avis, il va s'effondrer. J'ai déjà vu ça. Exactement. Tu y arrives. Tu vois qu'il tend la main vers Francis. Francis recule, voyant la main ensanglantée vers lui. Et toi, t'arrives juste à le rattraper au dernier moment, juste avant qu'il se vautre au sol. Il est un genou au sol, penché en avant. Tu le tiens. Il se retourne. Il te regarde un petit peu. Et il te regarde et il te dit Taitran. Taitran. Qu'est-ce que tu fais ? Monsieur, ça va ? Enfin, j'essaie de lui dire en anglais, tu vois. Parce que je parle un peu anglais.
tu vois qu'il a les yeux qui commencent à partir un petit peu en arrière, qui commencent à se, tu sais, à se révulser. Et il commence à avoir les paupières qui tremblotent. Qu'est-ce que tu fais? Il répond absolument pas à ce que tu dis. Ouais. J'essaye de le tourner, de le mettre au sol et de, bah, de regarder en fait où est la blessure, quoi, en fait. Hein. Mm-hmm. Plus ni moins. Tu vois que il a. Fais-moi un jet de premier soin. Mais du coup, le DD difficulté est très haut. Hein, c'est juste que je veux voir si t'arrives à analyser le truc, quoi. Ouais, t'y arrives sans aucun problème. Tu vois qu'il y a une coupure au niveau du ventre. Tu sais pas par quoi c'est fait, hein. T'es pas médecin ou quoi que ce soit, mais tu vois qu'il a une coupure qui vraiment part d'une hanche à l'autre. C'est net, précis. Francis, tu vois qu'il est en train de justement de manipuler la personne et tout ça. Tu fais quoi? Toi, la dernière chose qui s'est passée, c'est vraiment t'as fait un pas en arrière. Et du coup, tu l'as vu en train d'avoir les yeux qui se révulsent, quoi. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas moyen de trouver une, enfin, d'avoir une ruelle un peu plus fréquentée où je pourrais aller chercher un peu d'aide, une aide extérieure. Ouais. Tu sais que dans la ruelle de laquelle vous venez, elle est un peu plus éclairée, elle est un peu plus grande, et celle encore avant est un petit peu plus grande. Tu sais absolument pas ce qu'il y a en face. Sauf que quand tu regardes un petit peu en face, tu vois une silhouette qui déboule à toute vitesse. Et tu vois qu'il a un sabre à la main. Et il commence à courir dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites ? Henri, attention. En lui pointant du coup le, ouais. Le doigt. Le tu mec. Vois qu'il crie. Il crie de fureur dans votre direction. Il est à 5 mètres de vous. Qu'est-ce que vous faites ? J'attends le bon moment pour lui en coller une. Ok. Très bien, vas-y. Je reste, tu sais, en gros, je suis concentré sur la personne, faire comme si je ne le voyais pas, tu sais, ou j'étais surpris ou quoi que ce soit, que mm-hmm. J'attends juste le bon moment, qu'il soit le plus proche possible pour lui en mettre une. Ok. Fais-moi un jet de corps à corps avec un malus de 10%, s'il te plaît. D'accord. Parce que du coup, tu es... Il y a un sabre en face, quoi. Mourir, là. Ah ben, il a failli avoir des morts dans le premier truc. Donc... Oh. 10%, alors c'est combien ton 40. Truc? T'es à 40, donc ça ne passe pas. Tu vois qu'il court vers toi. Toi, Francis, tu fais quelques pas en arrière. Ah, oui. Tu vois Henri qui reste sur place. Je te laisse faire une action, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il bouge pas, Henri, tu... Bah, je le préviens, enfin, je lui donne la distance à peu près à laquelle se trouve le mec de lui. Ouais, ok. Et du coup... danger, vraiment. Ok, très bien. Et du coup, tu vois qu'il abat le sabre sur toi, Henri, au moment où tu essaies de le frapper. Tu vois qu'il a des vêtements très amples, très, très fluides. Donc, c'est très dur de voir où est-ce que son corps vraiment se situe dans ses vêtements un peu bouffants, etc. Et... Hop, petite seconde. Et il abat une première fois le sabre, une deuxième fois, tu es obligé de reculer sur le coup. Fais-moi 2 jets d'esquive, s'il te plaît. D'esquive. Je peux l'aider en le chopant par un de ses vêtements. Tu peux, ou pas, tu peux. De 1 et de 2, bon, évidemment avec 12 d'esquive, ça va pas aller loin. Non mais il te touche qu'une seule fois et tu perds du coup. Ça va, tu perds un point de vie. Tu vois qu'il abat le sabre. Tu commences à au moment où en fait il abat la première fois le sabre, il y a Francis qui essaie de le pousser, donc ça le désoriente pour le deuxième coup, etc. Et du coup, il te fait une entaille au niveau de l'épaule. C'est pas très profond, mais ça fait mal. Tu commences à saigner un petit peu. Ça commence à tacher ton beau costume que tu avais mis pour l'occasion pour aller rencontrer ce cher Zhang Chu. Et il met un deuxième coup qui vient se finir dans une poubelle qui fait un boucan d'enfer. La personne que tu avais plus ou moins dans les bras, tu vois qu'elle ne respire même plus.
là pour le coup. Alors peut-être qu'il est vraiment assommé ou quoi, tu sais pas trop, mais t'as pas l'impression qu'elle respire. En tout cas, le bruit ne l'a pas réveillé. Et du coup, tu te fais entailler le truc, il y a du boucan d'enfer, qu'est-ce que vous faites? Je crie je à l'aide. Moi, je suis quasiment au corps à corps avec lui, il faut que je le désarme, que je le... En gros, j'essaye de le maîtriser, tu vois, de lui attraper le bras là, quand il a essayé Ouais, de m'attaquer très sur bien. la poubelle, lui attraper le bras et lui péter le bras, enfin Vas-y, bref, fais-moi un jet j'ai de corps lâché à corps quoi. avec 10% de bonus, du coup. Parce que du coup, il vient de foirer son truc. Et au même temps, moi, je crie à l'aide. Mais du coup, c'est G. Ok, et du coup tu essaies de le choper son bras, tu vois qu'il te repousse, il te met un coup de pied qui t'éloigne un petit peu, etc. Et il rebrandit son sabre, et au moment de refoncer vers vous, toi Francis, tu vois une ombre sur le toit, ou tu sais pas trop, enfin un truc qui apparaît, et tu vois une autre personne qui saute du toit et qui se met entre vous et... le chinois qui est en train de vous attaquer. Et du T'as dit qu'il y coup, avait... hein? T'as dit qu'il y avait deux étages. Ouais, deux étages, donc un rez-de-chaussée et un premier étage, quoi. Et il descend, il arrive vraiment entre vous deux, sabre à la main, et vous voyez des étincelles dans la nuit. Les sabres s'entrechoquent, ça vole dans tous les sens, etc. Vous entendez des cris et des machins, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je dis à Henri que c'est l'occasion de se barrer. Ouais, je fais Que je quelques me pas en barrerai pas tout seul. arrière. En fait, je veux me décaler, mais je veux quand même garder la scène de vue pour voir si on va dire celui qui a l'air de nous protéger reste en vie ou non, quoi. Ni plus ni Ouais. moins. Tu vois qu'il a l'air de plutôt prendre l'ascendant. Il le coupe une première fois, une deuxième fois, et du coup, il commence, donc la personne qui vous a attaqué, bien sûr, commence à s'enfuir, à rebrousser chemin et repartir de la ruelle. Vous êtes plus ou moins au bout de la ruelle qui mène sur l'autre ruelle. Il n'y a personne dans cette ruelle. Les quelques personnes qui étaient dans cette ruelle au moment où vous êtes sortis se sont réfugiées dans les maisons, ont fermé les portes, etc. Et vous voyez l'homme qui vous a plus ou moins sauvé la vie, pour le coup, qui vient dans votre direction. Le sabre pas brandi vers le haut, mais le sabre toujours à la main. Et vous voyez qu'il est légèrement blessé, d'ailleurs. Et il s'approche de vous. Et il commence à vous parler dans une langue que vous ne comprenez absolument pas. Vous pouvez tous les deux me faire un petit jet de psychologie pour voir vraiment si c'est un ton, le genre du ton. Ça a l'air agressif, clairement. Mais à quel point ça a l'air. Ok. Francis, ouais, tu vois que t'as l'impression qu'il. Le ton ressemble à une question ou quelque chose comme ça, mais vous comprenez absolument pas les mots ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous faites? Alors, du coup, je lui dis en anglais, sorry, I don't understand. Enfin, tu vois, en gros, je lui dis Ouais. que je comprends pas, quoi, ni plus ni moins. Très bien. Du coup, il dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et en montrant la personne qui est morte, du coup, dans la ruelle. Il vient de parler en français, du coup. Non, il vous a répondu en anglais, mais je vais éviter de faire des 36 langues. Oui. Ouais, d'accord. Je peux parler en anglais, il n'y a pas de problème, mais bon, tout le monde, pas sûr. C'est ça. Non, mais c'était pour moi, je sais même pas si mon personnage parle anglais en fait. Ouais, Au vous fond, j'ai avez un peu potentiellement des notions, ouais, mais des petites bases, là, quoi, mais vraiment. ce que Henri potentiellement dit, toi, tu le comprends pas forcément, tu vois. D'accord. Alors moi, je crois que tu m'avais dit que 55, c'était quelqu'un Oui, qui toi, tu parle parles couramment. parfaitement anglais, hein. Tu Ouais. peux faire une thèse en anglais sans aucun problème, tu vois. Ok. Donc, sur le moment, tu vois, il me prend de court par rapport à la question, et c'est vrai que j'essaie de m'en souvenir, et personnellement, je m'en souviens plus. Le joueur ou Le joueur, ouais, Ah, ok. je. Il t'a dit Taitran. D'accord. Alors, je. T'es pas obligé de lui dire, mais en tout cas, je redis au joueur là pour le coup. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et tu vois qu'il commence à serrer un petit peu le sabre en fait dans sa main. D'ailleurs, il ressemble à ceci maintenant que la lumière commence un petit peu à dévoiler un petit peu son visage. Il ressemble ceci. D'accord.
j'essaie de lui expliquer que il m'a dit des choses, mais je n'ai rien compris parce que il a sans doute utilisé la même langue donc qu'il utilisait juste avant. Et puis j'étais plus concentré à savoir s'il était en vie ou non. Et après, on s'est fait directement attaquer, donc je n'aurais pas à lui dire exactement ce qu'il m'a dit. Toi, Francis, tu comprends pas ce qui ouais, les mots barré. Ou quoi que ce soit. Et justement, j'en viens. tu sais pas trop de quoi il parle et tout, mais tu vois dans son regard une espèce de fureur. Toi, dans ta tête, vous ne passerez pas la soirée. T'as clairement l'impression que tu vas crever ce soir. Tu vois qu'il a un sabre à la main, il est complètement ensanglanté. C'est les sabres chinois un petit peu allongés, comme ça, en genre de cimetière. Quand t'as vu comment il s'est battu, les quelques passes d'armes qu'il a fait, là, tu regardes autour de toi, s'il veut vous tuer, tu vas mourir ce soir. Toi, dans ta tête, c'est vraiment, tu vas mourir ce soir. Fais-moi juste un petit jet de pouvoir, Francis, s'il te plaît. Et du coup, à voix basse, je vais donner mon ressenti à Henri. Ok. Je me dis pouvoir, c'est où ça pouvoir, c'est dans les compétences. C'est le POU en dessous de l'index. Ok. Tu as peur, mais tu restes maître de toi-même. Tu restes maître de toi-même. Je réfléchis encore bien. Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. La peur ne te fait pas trembler des genoux et être complètement paralysé. Et tu lui dis quoi, du coup, à Henri? Oh bah, ce que je t'ai dit, c'est qu'en gros, il m'a... Non, non, ce que Francis dit à Henri ouais. Tout bas. Qu'on ferait mieux de trouver un moyen de s'échapper. Et du coup, fais-moi ton jet de baratin, Henri, s'il te plaît. Ouais. Tu vois qu'il... Tu lui expliques, t'essaies de l'embobiner, t'essaies de l'embrouiller et tout. Il te regarde fixement, toi, Henri. Sabre à la main. De temps en temps, il jette un coup d'œil de côté à toi, Francis. Et au moment où il pose les yeux sur toi, c'est là où tu vois vraiment qu'il a, il a l'air fou. Mais en même temps, il vous a un peu sauvé la vie, là, pour le coup. Et du coup, il range le sabre dans un fourreau. Il vous tourne le dos. Et il part. Vous deux, vous êtes au milieu de cette ruelle. Il y a un corps en plein milieu de cette ruelle. L'homme est en train de repartir. Vous avez vraiment l'impression que vous avez failli mourir cette nuit. Et que l'homme qui était en face de vous, malgré qu'il vous ait sauvé la vie, vous aviez l'impression qu'il aurait pu vous tuer à n'importe quel moment en fait. Et vous savez même pas qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez vivant encore maintenant. Vous comprenez pas vraiment ce qui s'est passé. Du coup, il continue la rue. Il enjambe la personne qui est morte, du coup, en lui passant au-dessus. Et tourne à gauche à la ruelle. Et vous vous retrouvez tout seul dans une ruelle en parallèle, du coup, enfin, perpendiculaire à la ruelle où il y a le corps. Qu'est-ce que vous faites ? Bah là, moi je suggère qu'il faut aller chercher un policier ou équivalent pour. Oui, signaler la chose. Oui. Ni plus ni moins. Mais sortons de cette ruelle, allons dans un truc plus éclairé là. Parce que... Oui. Vous sortez de la ruelle, et en fait, vous vous rendez compte assez rapidement qu'à Chinatown, il n'y a pas vraiment de police américaine. Ils osent pas trop s'aventurer par là. Et quand vous allez rejoindre un petit peu en dehors du quartier, vous allez voir des policiers, vous allez lui expliquer ce qui s'est passé, etc. Vous voyez qu'ils sont moyen chauds d'y aller maintenant. Et ouais. Ils vous font clairement comprendre qu'ils iront demain. Que oui. C'est pas leur affaire. Il vous dit que c'est certainement un règlement de compte entre mafieux, etc. etc. Vraiment du bas. Vous voyez même qu'il a peur quand vous parlez de ça. Et du coup, voilà, vous retournez à votre chambre d'hôtel. Je demande au policier s'il a déjà eu des signalements de combat au sabre en pleine rue. Vous savez, du coup,
toi tu peux pas, parce qu'il fait la traduction, on va dire, Henri s'occupe de la traduction. Mais il vous fait comprendre en fait que ouais bah c'est ils ont vu que les armes à feu c'est compliqué pour eux de s'en fournir, ils règlent tout soit à l'arme blanche, soit à coup de bâton, soit de machin. Ouais, ils sont assez violents, c'est pour ça qu'on n'ose pas trop. Ils font leur vie, ils ont leurs règles, on veut pas se mêler de ça. Déjà qu'on les accepte ici, qu'ils règlent leurs affaires entre eux et qu'ils nous emmerdent pas. Et vous voyez que c'est potentiellement une excuse pour pas y aller maintenant, quoi. Clairement. Donc les policiers ne veulent pas y aller de nuit, du coup. Ouais, c'est ça. Donc là, on se dit qu'on a fait une belle connerie. Pas forcément, mais vous étiez juste pas au courant. Bon, et puis, maintenant on va y aller deux jours. Clairement. Et du coup, voilà, la soirée va passer, vous allez rentrer. Toi, tu vas voir que t'as une belle balafre en fait au niveau de l'épaule, qui va se résorber hein, d'ici la vraie partie. Mais tu auras toujours cette petite cicatrice au niveau de l'épaule qui te rappellera ton voyage à San Francisco. Ouais, je lui demande s'il a besoin d'un coup de main pour se soigner, je sais pas. Enfin, c'est coupé, il a besoin de points de suture ou... Ouais, il avait besoin de points de suture. La police, en fait, voyant que t'étais blessé, elle a fait le nécessaire, etc. Et du coup, voilà, ils t'ont rafistolé correctement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Une aiguille de la ficelle. Exactement, serrer les dents et puis let's go. Voilà. Vous allez passer quelques... Enfin, toi, tu vas passer la nuit, du coup, à l'hôpital, le temps de faire recoudre, etc., etc. Vous allez quand même retourner dans ce quartier pour aller parler à ce fameux Zhang Xiu, que, du coup, de jour, vous allez trouver un peu plus facilement. Et est-ce que vous parlez à Zhang Xiu de ce qui s'est passé, du coup, la veille ou la... ou deux jours avant? Ouais, moi je suis David, oui. Ok. Ouais, je lui dis qu'on s'est fait agresser dans la rue un petit peu avant, c'était surréaliste, j'ai jamais vu ça, je me demande si c'est des monnaies courantes dans le coin. En France ça se passe pas comme ça, c'est très safe. Hein. Et il est plutôt étonné que vous soyez revenu en fait dans le quartier. Malgré ce qui s'est passé, et du coup vous lui inspirez du respect par rapport à ça, et du coup il va, après quelques négociations et quelques expositions du projet, il va vous accompagner et du coup vous allez rentrer en France avec lui qui aura fait ses bagages, etc. Et vous allez commencer à travailler sur cette fameuse locomotive. Pendant le voyage, etc., ouais. Je me profite, tu sais, si... J'essaie de voir déjà si j'arrive à avoir confiance en lui. Il t'a exposé un petit peu ses talents, ce qu'il savait faire, etc. Et toi, Francis, il y a un truc que tu... En fait, au moment où il le dit, pour toi, ça te paraît d'une logique implacable. Il t'explique en fait que si vous voulez faire un moteur qui va aussi loin et aussi résistant, il faudra un 4 cylindres avec 4 essieux, etc., etc. Et tu comprends assez rapidement que d'un point de vue technique, il est au point. Et après, il y a un petit peu la barrière de la langue qui peut poser problème, mais avec un peu de temps, ça devrait le faire. Voilà, c'est quelqu'un qui potentiellement pourra aider, en plus d'être simplement un parti politique à remplir dans votre contre. Non, c'est juste que je suis curieux parce que je me souviens vite fait des mots de l'asiatique et j'essaie de lui glisser, c'est l'air de rien. Ça vous dit quelque chose si je vous dis Taitran ou quelque chose comme ça? Absolument pas. Ça doit être un nom ou quelque chose comme ça, je pense. En tout cas, lui, il te dit ça. Ok. Et est-ce que tu veux faire des recherches par rapport à ça? Ouais, de retour en France, je vais faire quelques petites recherches, essayer de trouver des trucs. Enfin, j'essaie de faire quelques petites recherches, bibliothèque, tout ça. Tu vas faire des recherches. Tu vas insister sur ça? Ou parce qu'au début, ça va être dans ton temps libre. C'est vraiment dans mon temps libre. C'est boulot.
parce que c'est l'essentiel, mais dans mon temps libre, ça me travaille encore un peu. Hein. Ouais, forcément. J'ai reçu un coup de katana ou enfin, de sabre pour ça, ça me titille, du coup j'essaye de faire quelques petites recherches quand même derrière. Alors tu vas faire différentes recherches, dans un premier temps tu vas essayer de rechercher potentiellement voilà, dans des livres, des traductions, des dictionnaires, ce genre de choses, tu vas rien trouver. Et de fil en aiguille, tu vas trouver des pistes, etc. Tu vas apprendre que le mot tran peut signifier urne. Et tu vas trouver que ce fameux truc de Tai Tran, il s'agit d'un nom chinois, d'une urne en jade. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas une urne en particulier, c'est juste une urne de jade, on appelle ça Tai Tran. Et t'en sais pas plus. Tu vois vite fait sur les bouquins, etc., que la taille de l'urne, s'il l'avait sur lui, ce fameux pauvre homme dans la ruelle, tu l'aurais vu. Tu vois, c'est malgré les vêtements amples et tout ça, c'est assez gros pour que ça soit visible sur quelqu'un. C'est très difficile à dissimuler sur soi. Bref. Tu vas faire tes recherches, vous allez commencer à travailler ensemble sur la locomotive, et de temps en temps, il y a ce fameux Albert Breton qui viendra vous voir, peut-être une fois tous les 4-5 mois, pour voir un petit peu l'avancée des travaux, et vous en sortez plutôt bien. Vous en sortez tellement bien que du coup, ils ont avancé un petit peu la date, et du coup, Albert Breton vous explique que bientôt, la fin des voies sera mise en place, et du coup, ils vont organiser l'extension de la gare de l'Est pour accueillir votre locomotive, et en même temps, lancer potentiellement le premier train transsibérien à ce moment-là. Il va même vous montrer, par rapport au plan que Francis lui a fourni, etc., il va vous montrer qu'ils ont fait carrément des petits fascicules, justement, pour cette exposition. Et voilà, avec un petit peu les détails, etc. C'est assez... Toi, tu regardes un petit peu les plans, Francis, d'un œil d'ingénieur. Tu te dis, ouais, j'ai pas envie de me faire voler mon œuvre ou quoi que ce soit, mais c'est assez flou. Pour ne pas dévoiler tout ce qu'il y a dedans, tu vois, c'est vraiment d'un point de vue, tu comprends que c'est pour, tu vois, genre, attirer le visiteur et épater le visiteur qui lira cette brochure. Okay. Et Albert Breton vous remercie, bien sûr, du travail fourni, il est absolument ravi, votre véhicule fonctionne, vous avez fait des tests, ça roule, ça marche très très bien. Zhang Xu d'ailleurs va rester en France même après la construction de cette locomotive qui s'appellera du coup la série 241. Et du coup, Albert Breton, en plus de vous remercier, il vous dit ce sera la moindre des choses que je vous invite du coup à cette inauguration. Après tout, c'est votre bijou, c'est votre bébé. Du coup, je vous invite. Et du coup, il vous tend ce papier. Hop. L'inauguration se fera le 30 août 1931, et du coup, le premier train partira début septembre pour montrer un petit peu au monde entier que la France est au plus haut point de la technologie ferroviaire. Tu vois qu'il est extrêmement fier d'annoncer ça. Pour lui, c'est comme s'il l'avait lui-même construit. Hein. Il y a un côté un peu pédant comme ça, tu sais, un petit peu qui s'émate de lui. À quelle gare t'avais dit que c'était ? Gare de l'Est ? Gare de l'Est, ouais. Yes. L'inauguration des extensions de la gare de l'Est. D'ailleurs, vous savez, hein, je ne sais pas là, hein, mais à l'époque... Hop, attendez voir, je reprends ça. À l'époque, en gare de l'Est, il n'y avait pas autant de voies que maintenant, hein, forcément. Et l'inauguration permet d'accueillir au total, du coup... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. 11 voies, ce qui est énorme, ce qui fait d'elle une des plus grandes gares, en fait, déjà de France, mais surtout du monde, en fait.
Et voilà. Et il vous dit, est-ce que vous avez parlé de votre, enfin de l'attaque que vous avez subie à San Francisco, etc., à ce cher Albert. Vous en avez parlé ou pas ? Non, non. D'accord, ok. Et moi, personnellement, non. Après, oui, moi non plus, genre je voyais de pas. Que t'évites. Je vois pas en quoi ça passé sans accroche, etc. Ouais, ok, ça marche. Oui, après tout, c'est pas quelqu'un qui est proche de vous, hein, clairement. Et il y a, vous voyez qu'il a deux billets aussi, deux tickets à côté. Et il vous en donne un chacun. Et ce billet, c'est... Il est marqué ceci. Et il vous dit, si ça vous intéresse, il y a, vu qu'il va y avoir un pavillon chinois pendant l'inauguration, ils ont fait quelques petits préparatifs. Si ça vous intéresse d'aller voir le théâtre du coup des ombres, ils veulent faire des ombres chinoises. Vous avez déjà vu ce genre de choses ? Et alors, c'est pas commun. C'est pas commun. Ça reste une... Une, comment ça s'appelle, un art qui n'est pas, voilà, qui n'est pas du tout commun, comme on pourrait le faire sur un drone. Même à Chinatown, on n'a pas l'occasion de voir ça. Même à Chinatown, pour le coup, non, vous n'êtes pas resté assez longtemps vraiment pour visiter, surtout que vous étiez blessé et machin. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, alors vous regardez, il y a une petite brochure avec, et vous voyez que c'est pas juste des mains sur un drap blanc avec une lumière, c'est des petits personnages en papier qui sont animés, qui racontent une histoire et tout, ça a l'air chouette. Et du coup, il vous invite à ça. Il va repartir. Il vous suggère d'y aller de notre côté ou il nous invite à y aller avec lui ? Non, il vous invite. Il vous donne les tickets, lui il y va pas. C'est une invitation en plus de l'inauguration. Il vous rajoute un petit truc en plus. C'est ce fameux théâtre des ombres. Okay. Le petit cadeau. Exactement. Et du coup, c'est dans ce fameux théâtre des ombres que nous allons commencer la prochaine partie qui sera du coup faite avec, tout le monde. Donc le 2 octobre, ça aurait été marrant de le faire le 29 août, tiens, je suis en train de penser, en même temps que le truc, voilà, nous commencerons la prochaine partie avec vos personnages qui se rendent, donc le 29 août, à 21h, à la chaussée d'Antin, pour assister à un spectacle que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Voilà. Ouais, je préfère faire un peu vite les trucs là parce qu'il n'y a pas énormément de choses à jouer, donc du coup c'est un petit peu de la mise en ambiance, il y a eu un premier blessé et ça c'est cool, mais il est pas mort, ça c'est moins cool. Oh, ça va, j'ai perdu un PV. T'as de la chance, hein, un D6, ah oui, t'avais un point de carrure toi, donc t'as rien perdu. Ah ouais. Parce que du coup, la carrure encaisse un point de dégâts naturels. Ouais, donc c'est une petite égratignure que j'ai eu. Ouais, c'est ça, c'était plus une entaille ouais, un peu profonde, mais t'as potentiellement pas eu besoin de points de suture, quoi. D'accord. Donc voilà, tu gardes quand même une marque, et du coup, un souvenir. Et un souvenir, et plusieurs souvenirs, parce que le visage, toi, il y a pour Francis, il y a une chose que tu auras du mal à oublier, c'est le visage de l'homme qui était sur le point de vous mettre à mort, hein, dans cette ruelle. Oui, celui qui nous a attaqué, pas celui qui nous a sauvé. Et même celui qui vous a sauvé, en fait, parce que du coup, toi, tu comprenais pas ce qu'ils étaient en train de dire ou quoi que ce soit, tu sais même... Enfin, après coup, il t'a expliqué, Henri, mais sur le coup, tu savais vraiment pas si vous alliez sortir vivant de cette ruelle. Il tenait son sabre, il l'avait pas rangé, il était sur le point de certainement vous tuer. Mais vous savez pas ce qui l'avait fait changer d'avis. Et toi, pareil, Henri, la mort de ce pauvre homme dans la rue t'a un petit peu marqué. Bon, t'as vu des horreurs à la guerre, mais dans une ruelle, en plein milieu d'une ville, de sang-froid comme ça, à l'arme blanche... C'est hyper saccadé quand tu parles, je sais pas s'il y a quoi, mais... Pardon. Je pense que c'est Discord. Je pense que c'est Discord, parce que sur live, il n'y a pas de problème. Donc... Ah, ok, d'accord. Et voilà, donc voilà, ça va vous marquer ce truc-là. Et du coup, la vue de cette... Enfin, le visage de cet homme vous aura marqué. Bien. Et ben, une heure tout pile. C'est pas du...
Si c'est pas fort, ça. Hop. Et du coup, la prochaine fois, le samedi 2 octobre, pour la suite, le mec va à la salle exactement. C'est exactement ça. Il pousse de la fonte. Il pousse des rails de chemin de fer, tu sais, il est le dos sur les rails, et c'est lui qui pousse les rails et tout ça. Bien. Et bien sur ce, à la prochaine, et du coup, comme j'ai dit, le 2 octobre, aux alentours de 21h jusqu'à 23h cette fois-ci, pour justement de belles aventures. Mm-hmm. Et sur ce, exactement. Et sur ce, une bonne soirée, Twitch. Salut, salut. Salut.